écoutez, moi je pense que cette journée qui se rend dans le cadre du Tour de France de l'égalité avec les responsabilités prises par la délégation des femmes au Conseil économique social avec une résolution votée à l'unanimité, c'est une étape, hein, c'est une étape importante, ça a le mérite d'être transversal, de traiter à la fois des questions d'égalité salariale, d'égalité, d'égalité professionnelle, poser les problèmes que rencontre la négociation collective aujourd'hui, par exemple, mais aussi traiter des questions de violence sexiste. Donc c'est un panorama important et je pense qu'une fois qu'on a dit tout ça, après il y a les actes qui comptent. Et en ce qui concerne mon organisation Force Ouvrière, à la fois en termes d'information, notamment sur la question dont on parle beaucoup de violences sexistes en ce moment, on diffuse beaucoup d'informations, il y a une période de formation. Et l'égalité professionnelle, je dirais que c'est un combat permanent, mais permanent parce qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais une bonne initiative du CESE.